Qu'est-ce qu'une start-up ? Une start-up est une entreprise en démarrage qui va explorer un nouveau produit sur le marché. À la recherche d'un modèle économique industrialisable et reproductible, elle se doit d'apporter une nouvelle solution face à un problème rencontré. Elle se caractérise par son fort potentiel de croissance. Quelles sont les caractéristiques d'une start-up ? Différentes caractéristiques définissent une start-up. Elle est temporaire. C'est une phase particulière où le principal objectif est d'en sortir puisque l'idée doit être transformée en entreprise. Elle est à la recherche d'un business model. L'enjeu d'une start-up est de trouver et construire le business model qui va avec pour se stabiliser afin de devenir une entreprise, exemple Google ou Facebook. La start-up cherche à créer un concept qui sera reproductible à grande échelle afin de le déployer de ville en ville comme Airbnb, Uber, etc. Sa capacité de croissance, plus le nombre de clients augmente, plus les marges sont grandes. Quelles sont les différentes phases par lesquelles passe une start-up ? La start-up entreprend diverses phases, dont une expérimentation due à cette nouvelle activité, puis le développement du produit innovant en effectuant des tests liés à l'idée afin de trouver la technologie la plus adaptée jusqu'à la dernière phase de validation du modèle économique avant d'attaquer la phase purement commerciale. Quels sont les modes de financement d'une start-up ? Une start-up a besoin de fonds pour aider à son lancement. Il existe des aides comme le capital risque, les business angels, un emprunt à la banque, le financement participatif, des subventions spécifiques de la BPI, comme l'aide pour la faisabilité AFI, l'aide pour le développement ADI, les PRI partenariats régionaux, des aides financières via Pôle emploi. La start-up doit rechercher à un moment un moyen de rentabiliser son activité sur du long terme pour faire croître ses revenus afin d'atteindre la maturité d'une grande entreprise.